avec Carine aussi ces questions. Juste avant qu'on démarre, on a, les gens du parc m'ont refait la remarque sur les dépenses. Donc euh, après je les soupçonne peut-être, c'est eux qui veulent baisser le thermostat pour se venger, parce qu'ils ont froid toute la journée parce qu'ils ne font pas la porte du couloir là-bas. Voilà, faites, faites vraiment attention parce qu'ils bossent juste à côté. Là, et ils ont froid. Voilà. Donc. Euh... Du coup, ils m'ont l'air assez stressés quand même, parce qu'ils ont fait la remarque, alors qu'on sortait, qu'il y avait des gens qui arrivaient juste derrière, et c'est vrai qu'on n'avait pas fermé à la... au nez des personnes qui arrivaient derrière. Mais bon. Ouais. Euh, voilà. Donc, bon, ouais, je ne me présente pas, euh, puisque je ne l'ai pas fait. Et euh, voilà. Euh, alors. Paris et Liège étant euh, très loin, <laughs> euh, mais bon, nous, enfin, nous nous sommes concertés très, très rapidement, <laughs> mais je vais essayer de ne pas trop euh, répéter les choses, mais, ou, mais bon, la répétition, hein, c'est la base de la, la pédagogie. Alors, euh, donc en fait, c'est fait exprès quand je répète quelque chose. Euh, voilà. Oui, donc bon ça, on, on, on l'a vu ce matin avec Emmanuel, les, euh, les eucaryotes, euh, que ce soit les métazoaires ou bien unicellulaires, en fait laissent de nombreuses traces dans l'enregistrement géologique, souvent parce que ils ont un squelette au sens large. Euh, donc voici bon, deux exemples. Vous avez à, à, à gauche euh, le, le, le Tyrannosaurus rex euh, au, au musée de de New York, alors il est là, hein. est pour faire, j'avais préparé une blague ce matin pour Patrick de Wever, mais voilà, ça c'est un Américain, et là il y a la, <laughs> c'est Tyrannosaurus rex. Et, et, et donc des unicellulaires aussi qui, vous... qui laissent hein, des, des traces, parce qu'ils forment des minéraux, et, euh, et, et voilà, donc vous avez ici ces, 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 ces algues unicellulaires, ces coccolithophorydées, bon, on connaît, le géologue connaît, le paléontologue connaît plein d'autres bestioles comme ça, qui, qui font un euh, un test, euh, donc des, des diatomées, des foraminifères, des radiolaires, etc., etc. Euh, Mais en fait, moi, ce, ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer que les euh, bactéries, les archées euh, et, et, et même les virus peuvent laisser des traces dans l'enregistrement euh, fossilifère. Donc ça, euh, euh, Emmanuel encore une fois nous, nous l'a dit ce matin, et, euh, et, et du coup de voir un peu les mécanismes en fait qui conduisent, enfin comment on arrive. Euh, à, euh, comment ces micro-organismes se fossilisent, qu'est-ce qui est à la base de ça, quelles sont les conditions dans lesquelles ils peuvent se fossiliser, quels sont les processus impliqués. Donc là, vous avez en fait, euh, c'est des coupes hein, euh, de, de sédiments qui ont été prélevés alors, dans, un, dans un cours d'eau. Alors c'est actuel en fait, c'est un, un cours d'eau dans, dans le sud de la France, à Carnoules, qui est riche en fer, alors qu'il y a un pH aussi, euh, pH2, c'est riche en fer, c'est riche en arsenic, il y a plus bourré de ces de micro-organismes. Et, en fait, vous voyez là une des coupes vues en microscopie électronique en transmission. Euh, vous voyez la barre d'échelle, c'est 500 nanomètres. Ici, on va dire que c'est la même... Ah non, non, c'est pas la même chose, c'est 200 nanomètres. C'est pas très grave. Et, euh, et donc, vous voyez des, des, des cellules en coupe, et c'est dense, parce que euh, ce qui est dense, ce sont les minéraux. Et vous voyez que des minéraux ont précipité. Alors, la question, on verra, autour ou dans la paroi des micro-organismes, euh, Est-ce qu'il reste du, le car, du carbone organique là-dedans, euh, du micro-organisme du départ Alors là, vous pourriez dire, bon, on ne le voit pas. D'un autre côté, je ne sais pas si vous, êtes, si vous savez voir du carbone organique sur, en microscopie électronique en transmission sur une coupe qui n'a pas été colorée euh, pour la matière organique. Donc, bref, l'image ne vous le dit pas, mais je garde le suspense pour tout à l'heure. Reste-t-il du carbone organique là-dedans ou pas Ah, voilà, donc ça c'est un truc que j'ai piqué, je ne sais plus à qui. Peut-être à Cyril, l'anglois. Euh, les bactéries sont donc de plus. Euh, sont, euh, de plus hein. On peut donc fossiliser, précipiter des minéraux euh, sur les micro-organismes. Mais en plus, souvent, ce qui est dit, c'est que les micro-organismes interviennent dans la fossilisation. Euh, des, euh, des, euh, des métazoaires Donc tous les tissus mous effectivement euh, à nouveau emmanuel nous en a parlé euh, tous les tissus mous qui peuvent être fossilisés hein, on n'a pas que des, des, des autres dinosaures qui sont préservés dans, dans l'enregistrement paléontologique euh, il y a des embryons par exemple ces fameux embryons des phosphorides de, de chine et ces embryons ce qui est suggéré c'est que en fait la enfin, ils sont fossilisés parce qu'il y a eu précipitation de phosphate de calcium sur dans les structures de ces, de ces embryons. Et la précipitation de ces phosphates de calcium, ce qui est suggéré, c'est qu'elle est catalysée par des micro-organismes. Vous voyez, les micro-organismes peuvent se fossiliser, on va voir comment, et ils peuvent aussi participer à la fossilisation euh, d'autres organismes par la précipitation minérale. Alors, les, les problèmes, en fait, avec euh, quand on regarde des fossiles de micro-organismes, alors de, 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 de bactéries, d'archées ou de virus, c'est que, comme le disait Emmanuel, c'est difficile à reconnaître c'est des boules ou des bâtonnets de petite taille. Et des boules ou des bâtonnets de petite taille, euh, bon, ça, quand vous prenez le microscope électronique qui vous permet de les voir, en fait, vous en voyez partout et à la fin, vous, enfin, il y a des minéraux qui ont des, qui ont des formes de boules ou de bâtonnets de petite taille. Donc bon, euh, c'est difficile à reconnaître et vous allez voir, en plus, c'est souvent contesté. Euh, et, alors, Par contre, il y, y a aussi un autre problème qui est intéressant, c'est que, bon, admettons... Que l'on soit capable de reconnaître des fossiles de, de micro-organismes. Euh, ce qui a été documenté, c'est qu'il y a des variations de la représentation ou de l'abondance de ces fossiles dans cette, certaines roches au cours du temps. Euh, par exemple, euh, si on prend les des micro-fossiles dans les stromatolites, donc y a on, bon, les cyanobactéries euh, parmi d'autres, euh, euh, pourquoi on, on regarde celle-là bah Parce que c'est plus gros aussi, donc c'est plus facile à, à voir. Euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut les fossiliser dans les stromatolites. Et au cours du Phanérozoïque, hein, dans les 500 dernières millions d'années, ce qui a été constaté, c'est que dans certains stromatolites à certaines époques, on a beaucoup de microfossiles de cyanobactéries fossilisées. Et puis dans d'autres, à, à d'autres époques, il y en a moins. Et puis à d'autres époques, on en a à nouveau plus. Et alors... Donc, il y a des variations de la représentation de ces, ces, ces microfossiles, et ce qui a été pro, ce qui a été proposé par certains, c'est qu'en fait, il y a des variations des conditions environnementales. On peut associer ça à des variations des conditions environnementales. Par exemple, on peut relier ça euh, à des variations de la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère. on pourra en reparler, je pourrais vous expliquer ces, ces choses-là, mais... Donc, vous voyez que finalement, en regardant l'enregistrement fossilifère de ces microfossiles, certaines personnes pensent que la représentation peut être liée à des facteurs environnementaux, et donc vous avez des marqueurs, des variations paléo-environnementales. Donc, euh, bon, avant d'utiliser ce genre de, de données comme marqueur paléo-environnemental, il faut encore savoir comment euh, ça marche hein, pour être sûr que effectivement, la fossilisation dépend, par exemple, de la pression partielle en CO2 euh, de l'atmosphère. Donc connaître les mécanismes de la fossilisation, euh, ça prend tout son sens hein, pour, pour répondre à ces différentes questions, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qu'on peut fossiliser, qu'est-ce qu'on peut conserver dans l'enregistrement fossilifère, euh, qu'est-ce qu'il faut rechercher donc, et ça vous permettra de comprendre quels sont les paramètres qui interviennent dans la fossilisation. Et, et, et donc, de comprendre ce que les variations que j'observe dans la représentation des fossiles, à quoi je peux les relier, à quels paramètres environnementaux je peux les relier. Et la taphonomie, en fait, c'est l'étude des mécanismes de fossilisation. C'est l'ensemble de ces processus de fossilisation qui conduisent donc à l'immobilisation. Les fossiles, c'est finalement une trace de vie préservée dans l'enregistrement géologique. C'est ça la, la définition d'un fossile, au sens large. Alors, Là, ce dont euh, vous voyez, en fait, on s'était On avait discuté, puisque je vous ai dit qu'elle en a parlé. Euh, donc il y a différents types de fossiles euh, de micro-organismes, enfin en tout cas dont je vais parler. Il y a d'une part effectivement des traces laissées, enfin ouais, des traces laissées par des micro-organismes qui creusent dans des minéraux et, euh, et, voilà, et qui laissent ces traces de euh, ces trous. Donc les tubes d'altération, et je vais prendre l'exemple et discuter les tubes d'altération dans les basaltes. Il y a les traces chimiques laissées par les micro-organismes, ce matin on a vu, bon, on a vu les biomarqueurs, euh, donc ces molécules, orga euh, molécules organiques très résistantes qu'on peut préserver dans un kérogène, et puis il y a ces euh, compositions isotopiques particulières. Je reviendrai rapidement là-dessus, mais je n'en parlerai pas beaucoup. Euh, il y a les minéraux produits par les micro-organismes. Mais produit d'une manière, alors on a entendu ce matin le terme de biominéralisation contrôlée, c'est-à-dire euh, qu'il y a euh, euh, des euh, mécanismes spécifiques de production de ces minéraux. On, on a, il y a des gènes spécifiques impliqués dans la synthèse de ces minéraux par ces micro-organismes. C'est possible, ça existe. Euh, les micro-organismes, une autre forme, peuvent produire des roches. On a entendu parler de stromatolites. J'en discuterai, euh, discuterai. Et enfin, les micro-organismes, les cellules elles-mêmes peuvent être fossilisées. Et ça, ce sont les micro-fossiles. D'accord Donc, différents types de fossiles. Hein, il peut y avoir des traces laissées, enfin, ça creuse et ça laisse des trous. Euh, des traces chimiques, hein, des molécules qui sont, ou des compositions, des, des compositions isotopiques qui restent dans, dans l'enregistrement minéralogique. Des minéraux produits par le micro-organisme. Des roches produites par le micro-organisme. Et enfin, le micro-organisme lui-même qui est fossilisé. Voilà, donc, euh, bon, euh, vous m'interrompez euh, à tout moment, et donc, je vais, bah, on va voir jusqu'où euh, euh, on, on va. Euh, alors, les structures tubulaires. Hein. Je voulais en discuter parce qu'effectivement, c'était voilà, publié en 2004, hein, donc, euh, c'est récent. Euh, et et c'était publié dans, dans Science, donc c'est en plus très important. Et euh, donc, ce qui a été vu, on en a un peu discuté hier, c'est qu'on a ici euh, des laves qui sont mises en place à faible profondeur d'eau, sous faible profondeur d'eau, et, euh, et dedans, quand on regarde... Alors, ces roches, après, ont subi une transformation, un métamorphisme. Hein, elles, ont su, elles, ont vu, elles ont été enfouies, et donc, elles ont vu de la température et, et un peu de pression. D'accord Mais... Donc, je dirais qu'on n'a plus la roche originelle, hein, elle a été transformée chimiquement et minéralogiquement. Et là-dedans, ce qu'on observe, c'est ces fameux. Alors, ces gros, alors là, c'est de la microscopie euh, optique, et on voit ces gros paquets noirs là. Et quand on zoome un peu sur ces gros paquets noirs, on voit des sortes de filaments, comme ça. Et on voit ces filaments qui sont septés. L'interprétation qui a été donnée, c'est que ces filaments, ont été, ce sont des galeries creusées par des micro-organismes et qui ont été remplies par du minéral secondairement. Et voilà, et puis tout, ça a pris le métamorphisme, et puis euh, on a fossilisé donc ces galeries. Alors, la question qui m'était posée hier, c'est comment sait-on. Alors, pardon. Cette interprétation, elle est, elle, est, elle est avancée. Alors, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. Il y a un argument qui dit... Bon, et ces, ces filaments, vous vous rappelez, ils sont remplis de titanite, un hein, silicate de calcium et de titane. Ce n'est pas le minéral le plus courant formé par les micro-organismes. Hein. Enfin, enfin, je dirais même que, qu'on enfin, ne connaît pas euh, cette association. Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas ça qui vous dit que c'est le vivant qui l'a fait. Par contre, alors, ce qui a été avancé dans cet article, c'est qu'il y a du carbone associé à ces tubes. Il y a une analyse, vous voyez une analyse en microscopie électronique à balayage, et puis il récolte les rayons X qui sont émis par ça, et puis ces rayons X, si vous analysez l'énergie, ça vous donne la nature des éléments chimiques qui sont présents là-dedans. Et on peut cartographier. Et ils vous disent, regardez, on a une belle cartographie, on voit du carbone. Euh, donc on a enfin, été plusieurs à refaire les analyses sur les mêmes échantillons et avec plein d'autres techniques. On n'a jamais retrouvé un poil de carbone. Alors, bon, c'est peut-être qu'on est, est moins bon, et, euh, ou l'autre possibilité, c'est que quand même, toutes ces, ces, me, enfin, toutes ces mesures, c'est quand même compliqué à chaque fois. Il y a des artefacts, et les techniques sont de plus en plus sophistiquées. C'est super, parce que vous pouvez aller à des, des échelles de plus en plus fines, vous pouvez avoir des informations extraordinaires, mais. Eh bien, il faut du savoir faire quoi il faut comprendre la technique et là il y a les risques parce qu'on ne peut pas comprendre 15 techniques enfin, on peut pas être spécialiste de 15 techniques mais d'un autre côté quand on a un objet qu'on veut comprendre cet objet eh bien, on a besoin de ces 15 techniques voilà bon ça c'était juste pour la désolation alors sur, sur quoi ça repose enfin, ça c'était l'argument carbone mais bon vous savez que le carbone il n'est pas forcément biologique l'argument fort c'était de dire c'était de faire de l'actualisme et de dire qu'on connaît ces, 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 ces tubes ces galeries à l'actuel, et on sait que les galeries à l'actuel sont formées par le vivant. C'est les auteurs qui disent ça. Et en fait, ces auteurs, c'est eux qui ont beaucoup travaillé aussi sur les actuels et qui ont dit que c'était formé par le vivant. Alors sur quels arguments euh, Voici un, un, un échantillon, et il y en a plein de roches comme ça. Hein, ils ont fait à travers le monde, il y a, il y a plein d'endroits où ils ont retrouvé ces choses-là. Mais voici un échantillon. Alors, en, bon. Voilà, C'est un sédiment détritique et là-dedans vous avez des, des clastes, hein, des petits morceaux euh, d'un verre basaltique. Euh, donc C'est-à-dire euh, un verre, hein, c'est quelque chose qui n'est pas cristallisé, vous avez une matière amorphe. et Dans ce verre basaltique, euh, vous voyez euh, autour, alors c'est ce qui est blanc là, c'est en microscopie optique, et vous voyez autour de ce, ce blanc là une couronne marron. Et puis vous devinez là des sortes de, de filaments. Enfin, des sortes de, ouais, de filaments. Enfin, voici un zoom. Vous voyez ces filaments. Voici encore un zoom. Voici les filaments. septés. Donc, vu comme ça, en microscopie optique, on est d'accord, ça ressemble à, à Barberton, enfin, aux, aux échantillons d'avant. Alors, euh, OK. Ça, c'est un truc. Là-dedans, est-ce qu'ils ont retrouvé du carbone Alors oui, sur les mêmes arguments. Maintenant, quand on essaye de couper avec d'autres techniques, on coupe là dans ces filaments, et on regarde de plus près, il n'y a quand même pas d'épelles, et en fait, c'est ça, c'est rempli de minéraux, ces tubes. Pas de titanite, d'autres types de minéraux, mais ces tubes, hein, là, en microscopie optique, vous pourriez vous dire, bon, euh, je ne sais pas si vous vous dites ça, mais ils sont, ils sont vides. Enfin, en tout cas, vous pouvez pas savoir s'ils sont pleins ou vides. <laughs> Donc vous voyez qu'il faut aller prendre une autre technique. Pour voir s'ils sont vides ou ils sont pleins. Donc on l'a fait, on a coupé là-dedans, là, à travers, et on a regardé en microscopie électronique en transmission et on a vu qu'ils sont pleins de minéral. Bon. Mais on a coupé qu'à certains endroits parce que vous faites des coupes très très fines de 100 nanomètres d'épaisseur. Vous voyez, vous avez des trucs de 100 microns. Si vous commencez à faire des lames partout, enfin, il va falloir en faire beaucoup et bon, ça, ça, ça coûte cher. Euh, donc première information. Alors eux, leurs arguments, c'était de dire, ils ont pris euh, un colorant comme le bromure d'étidium, qui, disent-ils, euh, euh, marque euh, les acides nucléiques. Et ça, c'est vrai. Ils le mettent sur leur échantillon et ils voient que... Alors là, ils sont dans un microscope optique, à nouveau, mais avec un laser, c'est de l'épifluorescence, et ils détectent un peu la fluorescence émise sous, sous, la, sous cette excitation par un laser. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a des points rouges, donc, et ça c'est ça veut dire que le, le, le bromure d'étudium a coloré quelque chose. Donc, conclusion il y a des acides nucléiques dans ces tubes. C'est la conclusion de l'article. Enfin des articles. Alors, deux choses. Le promure d'étidium colore les acides nucléiques. Est-ce que ça ne ça colore que ça Première question. Est-ce que c'est spécifique Si c'est pas spécifique, ici ça a pu colorer autre chose. Deuxième chose, alors là, ça, on commence, c'est les esprits pervers qui peuvent dire ces choses-là, mais c'est bizarre, c'est en bout de tube. Enfin, on a l'impression que c'est à chaque fois un bout de tube. D'accord Alors maintenant, vous faites une observation. Vous coupez là ces tubes un peu avant. Vous les coupez euh, ici. Et vous... ils sont remplis de minéraux. Alors là, vous vous dites Ok, je reviens à la manie. J'ai pris une lame mince avec un basalte. Je l'ai trempé dans du bromure d'étidium. Je le sors. Je lave. Et je regarde. Et je vois de la coloration. Ça, disons que ça a coloré des acides nucléiques. Ça veut dire que le bromure d'éthidium, il est rentré dans les tubes et il est allé jusqu'au bout du tube pour colorer ce qu'il y a au bout du tube. Le problème c'est que le tube il est plein. Donc le bromure d'éthidium il ne peut pas passer. Donc ça c'est bizarre. Alors, toujours l'esprit pervers propose que ces tubes, en fait le, là on voit qu'ils ont un bout là. Pourquoi ils ont un bout Ce que je propose c'est que... Le bout, en fait, c'est l'intersection. Ces tubes, ils sont en profondeur dans le, dans le verre basaltique. Et à int... un moment, ils sont intersectés par, le... par la surface de la lame mince. Donc quand vous voyez un bout, là, c'est bout... en fait le tube qui ressort à l'extérieur, qui est à la surface de votre lame mince. Vous mettez du bromure d'étidium, là, ça peut rentrer au bout, et juste au bout. D'accord Et c'est pour ça que vous voyez une coloration au bout. Bon, euh, alors l'autre truc qui a été observé, c'est que quand même, quand on regarde ces basaltes, alors oui, oui, ils sont rincés. Donc ça a pris, ça a coloré quelque chose. Ça s'est fixé à quelque chose. Ah. Alors, d'accord. Il y a des milliers de tubes là-dedans. Donc il y en a plein qui sont qui n'arrivent pas à la surface et qui sont pas colorés. Euh, dans ces tubes, ils sont pleins de minéraux. Euh, un minéral, c'est une sorte d'argile d'altération de ces de, de verres. Hein, C'est-à-dire quand on fait passer de l'eau là-dedans, on obtient un minéral d'altération qui qu'on appelle la smectite. Et ces tubes sont remplis de smectite. Bon, c'est pas étonnant. Hein, y a, voilà, il y a de l'eau qui est rentrée là-dedans, ça a altéré, et ça fait de la smectite. Euh, bon, bromure d'étidium plus smectite. Euh, voilà. Enfin, ça, voilà comment on peut fixer les choses, quoi. Euh, avec les protéines, non. Alors, d'autres arguments qui sont mis en avant. On peut se dire, bon, bah, je prends mon échantillon et je regarde s'il y a du vivant euh, associé à mon échantillon. Alors, comment je fais ça bah, Je prends un morceau de caillou, là, où je sais qu'il y a ces, ces tubes. Euh, J'essaye d'extraire de l'ADN. Quand je dis je prends un morceau de caillou, c'est je prends un morceau de caillou. Hein. Je ne sais pas, je prends ce tube, je le sors et puis j'extrais l'ADN de ce truc-là. Non, c'est je prends le caillou. J'extrais l'ADN, je, je fais des PCR, je séquence, je sors plein de choses. Enfin, je sors des choses. Il y a, des, il y a, il y a du vivant dans le caillou. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément le vivant dans le tube. Là, j'ai un sédiment, euh, il y a plein de petits grains, il y a de la matière organique là-dedans. Bon, ben bah ouais, un sédiment euh, au fond d'un océan, il y, a, enfin, il y a de la vie. Autre argument. En microscopie électronique à balayage, vous pouvez voir des formes, et parfois dans des creux, des formes, des ronds, des tubes, etc., qui ont l'air là pas minéralisés, qui ressemblent vraiment à des micro-organismes. Et euh, bon, je pense que ce sont vraiment des micro-organismes. Quand vous voyez un micro-organisme dans un creux, est-ce que c'est le micro-organisme qui a creusé Ou est-ce que simplement il est tombé dans le trou quoi c'est vraiment ce niveau, si vous voulez, la, la discussion. Mais enfin, euh, bon, je, je tourne en dérision un peu le truc, mais en fait, je ne veux pas faire ça. C'est aussi la difficulté euh, du travail. Comment je, mm -hmm. comment je montre que ces choses sont biogéniques ou qu'elles qu ne le sont pas Oui. Oui, tout à fait. Ça pourrait être. Euh, oui. Alors là, ça, c'est l'argument le plus dur. Quoi, parce que si vous demandez à quelqu'un, bon, vous avez travaillé dans des conditions stériles, <laughs> qu'est-ce qu'il va vous répondre Il va vous répondre, bah oui. Enfin, je, je suis sûr qu'ils ont travaillé dans des conditions stériles. Le problème, enfin, ou qu'ils ont essayé de travailler dans des conditions stériles, mais, vous voyez, enfin, c'est un truc, je sais pas, je n'ai pas accès. Oui, bon, bah je suis sûr qu'ils répondent oui. Donc, il euh, n'y donc, a pas de contamination. Euh, non, le dernier argument, c'est de dire, hein, c'est un argument fort. Et c'est celui, celui qu'on utilise tous spontanément au départ, hein, enfin, avant d'être pervers, etc., de devenir pervers. Un tube comme ça, quand même. Il n'y a que le vivant qui peut faire ça, non Et ça, c'est l'argument, vraiment, souvent qui revient à la fin. Il y a des segmentations. Donc, qu'est-ce qui pourrait me faire abiotiquement des segmentations Et ça, c'est souvent un argument, c'est de dire, c'est un truc complexe. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire complexe, hein. je n'ai pas mis un chiffre, c'est complexe comme ça, c'est complexe de 3. Fin. Et, et du coup, je ne sais pas trop le vivant, à partir de, de quel chiffre de complexité c'est du vivant ou pas. Et, et alors, il y a des trucs, par exemple, qui sont amusants. Enfin, je racontais ça hier. Là, bon, de, enfin, de enfin ouais, c'est des gens dans le même groupe. Mais, donc, ils soumettent un article et il y a des tubes. Et, et ce qu'ils voient, alors ça c'est dans les trucs anciens, et ils voient des tubes, alors ils décrivent que les tubes, parfois, ils se tournent l'un autour de l'autre. Enfin, il y a un tube qui passe autour de l'autre. Donc, ils appellent ça une, une structure d'évitement. Donc, ils disent, les structures d'évitement... Quel processus abiotique peut faire une structure d'évitement C'est forcément du vivant. Alors, voilà. Le truc, c'est que du coup, vous vous dites, alors, bon, ok, bah, c'est biologique. Donc j'ai un micro-organisme qui creuse une, une galerie, puis j'en ai un autre qui creuse une galerie. Et voilà, c'est ça que ça implique. C'est que celui qui creuse la galerie A est capable de sentir celui qui creuse la galerie B à une certaine distance et de l'éviter. Voilà, c'est ça que ça implique. Non, mais, non, mais bon. Du coup, c'est trivial. Une fois qu'on a l'esprit pervers et qu'on dit, non, je n'y crois pas, et du coup, je verrai. Mais si vous voulez, ça marche bien, cet argument, en moyenne. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Voilà. Alors, donc les mécanismes pro proposés, et ça, ça repose là-dessus. Là, c'est là, un, un beau schéma qui vous dit, voici l'altération abiotique de fragments de verre basaltique. Voilà comment ça marche. Donc vous avez ces, ces, ces morceaux de verre basaltique. Euh, préserver donc en quand on fait de la comment on dit quand on fait de la pétrologie en verre peau c'est ça non ça existe ça... mon verre, verre et puis il y a une bordure autour des trucs pardon j'ai l'humeur j'ai hein. et il y a des il des bordures oranges autour qui se développent qui sont des bordures d'altération et donc voilà le modèle hein. donc vous avez au départ votre fragment de, de verre basaltique et il s'altère en fait par les côtés de manière homogène. Il n'y a pas de raison, c'est abiotique, euh, c'est homogène, tous les, toutes les faces sont, sont équivalentes. Donc euh, voilà, vous progressez de l'extérieur vers l'intérieur. <coughs> Voici le Voilà donc ce que vous obtiendrez si euh, c'était abiotique. Et après, il y a d'autres textures comme celle-ci. il y a des ronds ou des tubes. Et ça, on les explique, elles sont toujours à côté d'une fracture ou d'une surface, et en fait, dans cette fracture, il y a des fluides qui circulent, et puis alors là, les ronds verts, en fait, c'est des, 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 enfin, des micro-organismes. Je ne vais pas dire bactéries ou archées, mais voilà. Donc c'est des, voilà, des micro-organismes, et puis ils creusent dans le verre, et puis euh, une fois qu'il a creusé, alors il va, je sais pas trop, enfin il se divise, et il donne d'autres voilà, qui continuent à creuser. Et puis, en fait, bon, le premier qui était là, il finit par crever. Enfin, et puis, il y en a d'autres. Et puis, voilà, en fait, on fait un paquet de, de boules. Et, et parfois, en fait, ils se divisent, mais ils ne se divisent que sur une face. Et, et donc, ils s'empilent comme ça les uns au-dessus des autres. Et puis, ils, ils meurent. Alors, le mécanisme n'est pas. Con... Juste une seconde, je vais finir là. Le mécanisme n'est pas absurde. Comment un micro-organisme creuse, pourrait creuser dans du verre euh, c est, c est des, Ce verre-là, c'est des silicates, et on sait que les taux de dissolution des silicates sont très dépendants du pH. Si vous êtes à pH 7, en gros, euh, bon, vous avez une dissolution faible. Si maintenant vous, êtes, vous mettez ce silicate à pH 2, là, ça va se dissoudre très vite. Votre micro-organisme, il a un métabolisme, il, euh, il largue des protons ça acidifie localement le milieu, ça dissout le, le verre et ça creuse. Donc c'est pas si vous voulez c'est pas c'est pas complètement aberrant d'imaginer que si vous mettez un micro-organisme sur un verre, un verre basaltique, ça fait un trou. Alors, le truc qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est de savoir comment bah, après il se met dans le trou et puis enfin il continue dans le trou hein, parce que ben, il faut quand même garder des contacts. Il a besoin de se renouveler, il a besoin de milieu, il a besoin d'eau, il a besoin de trucs. Donc, il faut quand même qu'il garde le contact avec l'extérieur. Or, si vous avez des minéraux qui précipitent, parce que quand vous voyez que les tubes sont pleins, ici, et que vous, et vous imaginez qu'il y a un micro-organisme au bout du tube qui est vivant, c'est un micro-organisme qui est dans le basalte, dans le verre, il ne voit que du verre autour de lui. Derrière lui, il voit des smectites. Et euh, voilà, donc euh, là, on se demande comment il fait pour vivre, en revanche, enfin, pour continuer à creuser. Donc, c'est là où il y, a un, il y a une difficulté, mais alors, ça existe quand même, ces micro-organismes, des micro-organismes qui creusent dans les cailloux. En fait, on les appelle des endolithes, hein, qui vivent dans les, dans les roches et qui creusent, ça existe. Et ça, c'est un, un exemple donc, euh, sur lequel on... Travail avec, avec, avec David, euh, où c'est des stromatolites, et, et donc ce que vous voyez là, c'est de la microscopie optique, et ce qui est blanc, c'est des carbonates. Là, on regarde maintenant en microscopie électronique à balayage, ce qui est blanc, ce sont les carbonates de calcium, et les points noirs ici, c'est du carbone organique. Euh, vous avez en fait des boules et des, et des filaments, mais vous savez, enfin, si vous prenez le filament et vous le coupez perpendiculairement à son axe d'élongation, ça, ça fait un, un disque. Donc euh, c'est éventuellement la même chose, si vous voulez, mais coupée dans différentes orientations. Et quand vous, re euh, vous regardez ces, ces choses-là, donc c'est du carbone organique, ça fait euh, toujours deux sections, euh, je ne sais plus, 2 euh, micromètres, 3 micromètres, ça a exactement la même taille, la même morphologie que... parce que ça c'est actuel que des euh, cyanobactéries qui sont juste à côté, qui sont en train de pousser dessus, euh, etc. Donc, et c'est du carbone organique. Et quand vous regardez, voilà, là, ce que vous voyez en marron, c'est le carbone organique, donc c'est le micro-organisme. Bon, on lui a fait un peu mal, on lui a enlevé un peu de carbone organique, donc ce qui est, là, tout ce qui est noir, est, on a viré. Et puis là, euh, ce deuxième parti, c'est un autre micro-organisme. Celui-là, il creuse vraiment dans le minéral. Donc c'est possible de creuser dans le minéral. Ils arrivent à s'enfoncer dans le minéral, et on ne comprend pas bien comment ils arrivent, enfin, comment ils font ça, quoi, comment ils arrivent à garder un contact avec l'extérieur alors qu'ils sont euh, euh, profondément dans la roche. Donc, je ne je voulais pas complètement tourner en dérision ce modèle. Ce modèle, il n'est pas absurde. Un micro-organisme peut creuser. Et on connaît des cas avérés. Là, le problème, c'est qu'on ne voit jamais de carbone organique dans ces trucs-là. Là, ici, ça, c'est du carbone organique euh, qu'il y a dans une cyanobactérie. Mais, c'est possible, ça, ça peut exister. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas comment, et à la fin, on ne comprend pas ce qu'on doit garder comme signature. Ici, dans les basaltes, on ne voit pas de carbone organique. On n'a jamais vu une cellule là-dedans. On n'a jamais vu une cellule fossilisée ou une cellule ou des tonnes de carbone organique. Dans ces stromatolites, enfin actuels, on voit, enfin je veux dire, là, c enfin, les trucs noirs, là, c'est pur carbone organique. Alors. Du coup, parce que, enfin, je, enfin, on avait discuté avec ces auteurs, et je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'on ne retrouve pas les, les fossiles de cellules. Et ces personnes m'ont répondu, oui, mais les, la fossilisation, c'est exceptionnel, c'est très très rare. Et euh, bon, bah, s'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cellules avant. Et c'est là qu'on revient à tout, toujours à ce, ce problème, cette question, dans quelles conditions je vais faire la fossilisation Est-ce que je peux être sûr que dans certaines conditions, je devrais avoir un fossile moi, dans ce cas-là, je suis persuadé qu'on devrait avoir un fossile. Mais ça, c'est de la croyance. Eux, ils sont persuadés que non, la fossilisation, euh, c'est très rare. Et qu'on n'est pas, pas obligé d'avoir un fossile. Vous voyez, on en est là. Quoi. Les conditions de la fossilisation, etc., ce qu'on comprend, c'est à peu près ce niveau-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Après, bon. Euh, les questions restent grandes ouvertes. Quels, quels micro-organismes peuvent creuser euh, dans ces cailloux Selon quels mécanismes L'acidification Est-ce qu'ils peuvent prendre autre chose là-dedans, dans, dans les roches Comment survivent-ils bon, Je vous en ai parlé. Comment ils restent en contact avec l'extérieur euh, Est-ce qu'il y a certaines roches dans lesquelles ils peuvent creuser et pas d'autres Est-ce que peut-être les micro-organismes peuvent creuser dans du carbonate mais ne peuvent pas creuser dans un basalte Ou peut-être qu'ils peuvent creuser aussi dans un basalte bon. Est-ce que les galeries restent apparentes longtemps? Est-ce qu'on peut les fossiliser et quand? Au cours des temps géologiques. Je dirais que sur ce point-là, franchement, on ne connaît pas des tonnes de choses. Sur les endolithes, il y, y a des choses. Sur les, dans les stromatolites, mais. Voilà. Deuxième point. Donc les signatures. Ah, pardon. Il y avait une question. Non mais là, je... ah d'accord. J'ai bien fait d'attendre. Il euh, y a les signatures chimiques de la vie. Euh, donc Emmanuel en a parlé, a parlé d'issuage. J'avais évoqué euh, hier, donc j'ai repris euh, le transparent d'hier. Vous pourrez rappeler qu'il y a des roches sédimentaires, euh, qu'elles ont subi aussi, elles aussi, du métamorphisme, hein, qu'elles ont subi des, des transformations. S'il y a des signatures du vivant là-dedans, les signatures du vivant ont été laissées pendant la formation de ces roches sédimentaires, mais après, ces, enfin, ces roches ont subi une transformation avec la température et la pression. Donc il faut toujours déconvoluer. Il faut être capable d'enlever de, le métamorphisme, si on peut, et après, du coup, d'avoir une idée de ce qu'il y avait quand la roche s'est formée pour trouver les traces de vie. Il n'y a vraisemblablement pas des traces de vie à cette température. Donc, je vous avais montré ce, cette chose-là. Je vous avais dit, bon, on peut analyser, il y a du carbone organique dans ces roches. On peut analyser, et en fait, si on regarde la quantité de carbone organique versus la composition isotopique en carbone, on peut voir qu'il y a différentes générations, il y a différentes fractions de carbone organique. Et cette, je vous ai... Bon, voilà. OK. Oui, alors, pardon. La composition isotopique du carbone. Voici euh, potentiellement une signature, une preuve du, du vivant. C'est-à-dire, donc ça, Emmanuel, j'ai repris son, son schéma, expliqué bien cette chose-là avec ce schéma. Le vivant peut fractionner euh, les isotopes du carbone. Alors, pour être... Enfin, si on veut être très rigoureux, ça, en fait... C'est un équilibre qui a été créé. C'est qu'il y a un équilibre alors, entre une solution dans laquelle il y a des ions carbonates et un carbone organique. Donc il y a un équilibre. Et cette, sol cette solution, après, va, peut être aussi en équilibre, après, va précipiter des minéraux. Il va y avoir un équilibre entre le carbone dans le minéral et le carbone en solution. Donc en fait, il faudrait rajouter un, un deuxième réservoir. Ce que vous mesurez dans une roche, ce n'est pas un fractionnement isotopique. On ne mesure pas un fractionnement isotopique. On mesure une composition isotopique. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, c'est le rapport, le nombre de carbone 12 sur le... Pardon, je pars un peu... On regarde le nombre de carbone 12 sur le nombre de carbone 13. D'accord Le nombre d'isotopes. Le fractionnement, c'est comment, quand j'ai un, je suppose qu'il y a un équilibre, combien j'avais... Quel, rapport... Quel était le rapport de carbone 12 sur carbone 13 ici quel est le, le rapport carbone-12 sur carbone-13 ici Et le fractionnement, c'est en gros ce qui me fait passer de, de ce rapport-là à ce rapport-là. Ce qui implique que si vous voulez, vous vous mesurez le rapport C12 sur C13 dans de la matière organique. Si vous voulez un fractionnement, il faut connaître le rapport carbone-12 sur carbone-13 dans la solution à partir de laquelle, de la source, à partir de laquelle vous avez formé la, le carbone organique. Et ça, ça paraît, ça paraît bête, mais c'est quand même un problème. Quand, quand vous voyez du carbone organique très appauvri, soit c'est la vie qui a fait le fractionnement et qui a appauvri le carbone organique en, en carbone 13, soit la source était déjà appauvrie. Et là, du coup, vous n'avez pas besoin de fractionnement. Donc vous n'avez pas besoin de vivant. D'accord Donc c'est important. De se rappeler de ça, on mesure des compositions isotopiques. Si on veut avoir un fractionnement, il faut faire l'hypothèse d'un équilibre et de mesurer du coup des compositions isotopiques dans les deux réservoirs qui étaient en équilibre. Alors on peut le faire si on est les carbonates de calcium. Et, euh, et, et, et voilà. Mais d'accord, c'est une subtilité, mais enfin, elle est, je pense qu'elle est importante et qu'il y a des erreurs qui sont faites quand même euh, par rapport à ça. Alors et juste pour illustrer, donc on vous a dit, ouais, d'accord, et SUA, il y a euh, des, du carbone appauvri. Euh, en carbone 13, euh, c'est peut-être biologique. L'autre possibilité, c'est ça, quand vous regardez en microscopie électronique à balayage ces roches. Ce que vous voyez là avec ce mode, euh, c'est un mode, en, en, on utilise les électrons rétrodiffusés, bon, je vais vous expliquer comment ça marche, mais en gros, vous voyez différentes couleurs, du blanc, du noir et du gris. Et ça, c'est un contraste lié à la chimie des phases minérales. Le noir, c'est du carbone, c'est du carbone organique, enfin, du qui est maintenant graphitisé, c'est du graphite. Pur carbone. Le gris, c'est de la sidérite, un carbonate de fer, FeCO3. Le blanc, c'est de la magnétite, Fe3O4. Donc vous avez quelque part, alors pour les agrégatifs, une paragénèse, d'accord, c'est ça, hein, on a trois minéraux associés comme ça, euh, il voilà, faut des mots. Et, euh, et, et, et donc on peut interpréter cette paragénèse comme une réaction qui a eu lieu. Et la réaction qu'on peut proposer, c'est la suivante FeCO3 vous le chauffez, ça vous donne F3O4 plus 3C. Bon, plus du O2, mais qui va être piégé par du fer ailleurs. Donc vous voyez que quand vous chauffez un carbonate de fer, vous formez du carbone. Voilà un processus de production de carbone qui n'est pas biologique. Et ce que vous pouvez faire quand vous faites expérimentalement, c'est voir qu'il peut y avoir un fractionnement là-dedans. Un fractionnement isotopique. Donc voici un processus abiotique euh, qui fractionne le carbone, qui vous fait du carbone. Et qui vous explique quand même bien ce qu'on voit là. Quoi. Parce que cette roche, elle a vu 500 degrés, donc on peut. Voilà, elle était composée de carbonate de fer, donc elle a chauffé, et ça a pu nous donner les zones blanches qui sont de la magnétite, et puis les zones noires qui sont du carbone. Hein L'autre hypothèse, c'est de se dire que ces trois phases, elles n'ont rien à voir. Elles sont, pas, enfin, elles sont là, mais en fait. Elles, enfin, elles sont pas formées, elles n'ont aucun lien entre elles, et que les points noirs, c'est euh, du carbone organique formé par le vivant. Ça, c'est l'autre euh, hypothèse. Oui. D'accord pour la formation de, 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 de graphique. Mais ce qui m'intéresse, intéresse, c'est de savoir quel est l'isotope du carbone. si Oui, alors. Avant, il faut avoir du carbone quand même organique. Ce n'est pas, pas rien, vous trouvez du carbone organique, euh, enfin du carbone organique. C'est du, du graphite, donc c'est que du C maintenant. Mais il y a eu une métamorphisme, alors ça a pu être du carbone organique, euh, du, des molécules plus complexes avant. Ce n'est pas rien de trouver du carbone organique, enfin là encore, le vivant fait du carbone organique, donc ça peut être une trace, une, bio, une signature. Ce que je vous dis, c'est qu'avec cette réaction, vous faites aussi un fractionnement entre les isotopes du carbone. Vous pouvez faire un fractionnement avec ça. Euh, dans le bon sens <laughs> un appauvrissement en, en voilà autre point c'est un peu catalogue hein, mais certains micro-organismes peuvent former des minéraux et ils, le, et ils peuvent les former de manière vraiment spécifique il y a vraiment des gènes spécifiques et en nombre impliqués dans la formation de ces minéraux et l'exemple qu'on connaît en fait on n'en connaît pas tant que ça pour, pour l'instant mais L'exemple qu'on connaît, ce sont euh, ces bactéries qu'on appelle magnétotactiques. Euh, pourquoi on les appelle bactéries magnétotactiques Alors, ouais, j'aurais pu mettre le film, mais vous prenez une culture de ces micro-organismes euh, dans, dans, dans un tube, vous mettez un aimant à côté, vous attendez un tout petit peu, et paf, vous avez un point noir qui apparaît à côté de l'aimant. Et le point noir, c'est des micro-organismes. Vous mettez l'aimant ailleurs, hop, le point noir, il se déplace. Donc en fait, vous avez des micro-organismes qui sentent le champ magnétique et qui peuvent ensuite se déplacer en fonction de ça, répondre, hein, le stimulus c'est le champ magnétique, et puis qui peuvent se déplacer en fonction de ça. Comment sont-ils sensibles au champ magnétique Ils sont sensibles par la production de ces minéraux. Alors ça, c'est une, une, une image en microscopie électronique en transmission. Vous voyez une cellule, c'est le gros machin gris là. Et puis vous voyez des minéraux très denses, c'est les points noirs alignés. Et ces minéraux... C'est de la magnétite, F3 ou 4. Et la magnétite, vous savez, euh, c'est un, un rapport avec magnétique, ça a des propriétés, quand ça a cette taille-là, euh, magnétiques. Ce sont des aimants. Donc ce micro-organisme est capable de synthétiser, c'est intracellulaire, forme des aimants, avec une taille très contrôlée. Parce qu'en en fait, si on avait une plus grande taille, ça serait des aimants beaucoup moins performants. Une toute petite taille, ça serait des aimants beaucoup moins performants. Là, en plus, ces aimants, c'est marrant, ils sont exactement dans la gamme de taille euh, qu'il faut pour avoir des bons aimants. Alors voilà, donc après, il y a, il y a plein de poésie sur à quoi ça sert, ces micro-organismes. En fait, bon, ce qui est retenu, c'est que bon, il y a des champs... Voilà, voilà les, les lignes de champ magnétiques à la surface de la Terre. Et euh, alors... Je vois déjà la question que je vais avoir, mais... Donc, imaginons, nous sommes à 45 degrés de latitude nord, et vous euh, voyez, en gros, le champ magnétique, les lignes de champ sont, sont, sont verticales. Vos micro Ces micro-organismes vivent dans des conditions de, de fugacité d'oxygène bien particulières. Il ne faut pas beaucoup d'oxygène, donc il n'en faut pas trop, et il en faut un tout petit peu. Donc, enfin, bref, ils, sont, ils vivent dans une zone bien particulière. Et, et donc, euh, bon, leur dilemme, hein, si voilà une colonne d'eau, et ils doivent retrouver un peu l'endroit où ils peuvent se développer et prospérer. Donc pour ça, il faut se repérer dans l'espace. Deux possibilités ils ont aucun moyen de se repérer et bon, ils font la marche, comment c'est c'est ça. Et en trois dimensions, et bon, ils y arrivent peut-être un jour. L'autre possibilité, c'est ils sentent la verticale. Alors sentir la verticale pour nous, on y arrive, sauf quand on a abusé de certains produits, mais. Euh, pour eux, bon, pas, hein, on, on, ils n'ont pas le même rapport à la, à la gravité. Euh, un moyen, voilà, c'est si les lignes de champ magnétique sont verticales et qu'ils sentent les lignes de champ magnétique, vous avez une verticale et ils ne se, dé, se déplacent plus qu'en 1D. Voilà, donc ça, c'est ça euh, l'idée avancée pour l'avantage écologique. Mais ce qui est clair, hein, c'est qu'il y a vraiment des gènes, et on en identifie de plus en plus spécifiques, impliqués dans la formation de ces magnétites, et voici une vue, une vue alors qu'une reconstruction qui a été faite à partir de microscopie électronique en transmission et on a fait de la tomographie et ce que vous voyez ici, alors en rouge ce sont les cristaux de magnétite en jaune, ce sont ce qu'on appelle les magnétosomes alors c'est des vésicules, des membranes chaque cristal de magnétite est formé dans une vésicule dans la, alors pardon le gros truc bleu là, la grosse, le, le tube c'est la cellule on est dans le cytoplasme il euh, y a des vésicules, donc ils forment des vésicules à l'intérieur de la cellule, c'est ces membranes jaunes, et puis dedans, il y a des magnétites, et puis vous avez des filaments verts ici, alors c'est un cytosquelette, hein, des, des, homo des homologues, c'est ça, d'actines, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, bref, qui structurent et qui vous permettent de, de, de structurer vraisemblablement enfin, euh, les, les, les vésicules, de les aligner, et du coup d'avoir un alignement des magnétites. Et c'est intéressant d'avoir l'alignement des magnétites, parce que vous savez, vous avez 10 magnétites, chaque magnétite est un aimant, si vous en mettez 10 dans la, et vous les alignez bien, vous, vous, vous sommez hein, les, les, euh, les, les effets de l'aimant. Alors, ce qui a été dit, c'est que ces magnétites, formées par le vivant, elles ont des particularités, elles ont vraiment des, des spécificités. Premièrement, une distribution en taille restreinte, elles, font, elles sont... Voici, euh, bon, sur une souche, hein, MS1, c'est une souche cultivée. Voici les tailles. Hein, on, alors ça, c'est le facteur de taille. Donc, on, on, on trace la longueur en fonction du rapport largeur sur longueur. Largeur sur longueur, ça vous dit si euh, c'est un rectangle ou un carré, en gros. Et, euh, et puis, la longueur, c'est la taille euh, absolue du, du truc. Donc, elle tombe souvent dans ce domaine, hein, qui correspond au domaine qui rend ces particules, euh, qui leur donne de bonnes propriétés d'aimant donc, une distribution en taille restreinte entre 30 et 120 nanomètres, une composition chimique pure. Si dans vos cultures vous rajoutez du titane, du chrome, vous ne le retrouvez pas dans les magnétites. Or, si vous faites une synthèse de magnétite dans une solution où il y a du titane et, ou du chrome, vous retrouvez le titane, il s'incorpore dans la structure de la magnétite. Donc là, elles, elles nous produisent des, euh, des, des magnétites pures chimiquement. Pas ou peu de défauts cristallins. Alors, bon, ça, il faut faire de la microscopie électronique en transmission, aller regarder à l'échelle atomique et voir s'il y a des défauts d'empilement des atomes. Ce pas simple, mais bon, ce qui est dit, c'est que c'est pas ou peu. Alors, on ne sait pas si c'est peu c'est combien peu, mais bon. Organisation en chaîne linéaire, vous l'avez vu, hein, c'est le cytosquelette de ce micro-organisme qui permet l'organisation linéaire. Anisotropie de forme, alors c'est magnétites, ça, c'est de la cristallographie, elles sont toujours alignées selon un axe 1-1-1, et euh, voilà. Alors, bon, attention, et en fait, il n'existe pas. Le problème, c'est que ça, ces choses-là ont été établies sur une souche. Enfin, souvent, vous voyez ça, hein, ça, c'est un. Enfin, j'en reparlerai. Le... J'en reparlerai. Mais ces critères, ils ont été établis sur une souche. En fait, parce qu'on cultive assez peu euh, de ces espèces. Mais si vous allez regarder dans le milieu naturel et vous regardez des, ma... des bactéries magnétotactiques, bon, vous voyez, voilà trois. Trois morphologies, enfin, celles-là, c'est les mêmes à peu près, mais trois morphologies de magnétite, bon, vous voyez que ce n'est pas toujours euh, le même facteur de forme, etc. Deuxièmement, l'alignement il n'est pas toujours selon 1, 1, 1, et des fois, c'est 1, 0, 0. Donc, bon, le vivant peut produire aussi d'autres choses. Là, là. Alors, bon... Des gens sont allés chercher les gènes, sont aussi allés chercher des protéines qui sont associées à ces magnétites. Ils ont isolé et purifié ces protéines. Et ils font des expériences comme ceci, hein, qui illustrent ce que je suis en train de vous raconter. Vous faites une expérience de précipitation de magnétite à droite, sans rien, hein, dans un bécher. Enfin, il faut mettre ce qu'il faut pour faire la magnétite. Et à gauche, vous rajoutez cette, une des protéines purifiées à partir de cette souche. Et vous vous mettez sinon dans les mêmes conditions. Et voilà ce que vous obtenez. Donc vous voyez que là, il y a des protéines, vraisemblablement, qui sont impliquées. Et qui vont euh, faire euh, que euh, vos produits ont une forme bien particulière. Ici, vous avez quelque chose d'assez homogène en taille et en forme. Ici, euh, c'est euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, hétérogène. Bien sûr, enfin, euh, on fait confiance aux auteurs. Hein. Ils ont pris une image. Ça, c'est de la microscopie électronique en transmission. La taille du cadre, là, c'est 600 nanomètres. Bon, ils en ont certainement pris d'autres. Ça se vérifie facilement et, et c'est vrai. Alors, quel rapport avec l'astrobiologie euh, En 1996, il y a cette équipe de la NASA qui publie cet article euh, où donc ils ont repris euh, des observations du météorite qu'on connaissait, hein, qui s'appelle la LH 84001. 84 000, on peut dire, et, et donc dans cette roche, ils ont fait plusieurs observations. Alors, ils ont fait de la microscopie électronique à balayage où ils ont vu ces filaments segmentés. Et puis, ils ont vu, en fait, ce qu'ils ont vu, ils ont vu des, des globules de carbonate, carbonate de fer et de magnésium avec dedans des magnétites. Et ils ont regardé ces magnétites et puis ils ont reconstitué la morphologie de ces magnétites. Ils les ont étudiées et ce qu'ils ont vu, c'est que les magnétites qu'ils retrouvent ressemblent à ce, cette forme-là, cette morphologie-là. et cette morphologie-là, sur terre, on l'a décrite chez une souche, une souche de bactéries magnétotactiques. mais qu'en moyenne, par tous les processus abiotiques, on n'a pas été capable de reproduire cette morphologie. donc, eux disent, on voit ça dans la météorite martienne. On ne connaît que ça, on connaît cette morphologie que ce genre de troncature-là, que chez euh, une souche de bactéries magnétotactiques et pas ailleurs. Donc, c'est une signature biogénique, hein, c'est ça toujours l'argument. Voilà. Alors, comment alors, là, effectivement, c'est très joli. C'est ce que vous avez dans les articles. Vous avez, enfin, ça rappelle un peu l'enfance. Vous avez ces cubes-là, et puis bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on coupe des phases dans différents trucs, etc. Donc, mais bon, on arrive à voir à quoi ça ressemble en trois dimensions. Mais eux, quand ils regardent, euh, ils n'ont pas des cubes avec des couleurs et, et des faces rouges et des faces vertes, ils ont ça. Ils font de la microscopie électronique en transmission, parce qu'on regarde des objets petits, il faut en plus avoir l'arrangement la, la la, des atomes, donc il faut regarder en plus à l'échelle atomique. Donc bref, c'est un microscope électronique en transmission qu'il faut. Et un microscope électronique en transmission, c'est un microscope en transmission. Et quand vous avez une particule en trois dimensions, ce que vous regardez, vous, c'est quelque chose, à la fin, c'est une image, et c'est à plat. Donc, vous intégrez une information 3D en 2D. D'accord Donc, voilà ce qu'on observe. Et là, il faut bah, faire un peu tourner les ménages pour retrouver, interpréter ça. D'accord Pour retrouver là ces différentes faces, il faut les retrouver là-dessus. Alors, bon, quelqu'un qui connaît, il essaye et puis voilà, il, il fait une interprétation ici des modèles. Hein il fait euh, une interprétation à partir de ça. Vous voyez, il a collé ici les troncades avant. Donc, euh, prenez celui de gauche et faites vos prédictions. Où sont les Y a-t-il des faces tronquées, etc. Hop bah oui, il y en a. Elles sont là. Voilà. Moi, je n'y arrive pas. Hein, mais bon. Mais non, mais bref. Non, mais... Bon, il y a, y a d'autres arguments derrière, mais ça, ça, ça marche. Mais vous voyez que c'est quand même très... C'est un peu pointu. Donc, voici l'observation de l'image mètre haute résolution d'une magnétite dans la, dans la météorite martienne. L'interprétation qui dit c'est biogénique parce qu'il y a les faces... Orange. Voici sur la même observation l'interprétation de Golden et Alors ça c'est vrai que c'est PNAS et Science C'est ça c'est juste American Mineral e -10. Donc si on en croit les facteurs d'impact, c'est elle qui a raison. Mais vous voyez, bon, lui il vous dit, et bon il sait quand même, il comprend aussi ces choses-là, et, et il ne voit pas de face orange. Sur le même échantillon. Ils ont fait la même observation. L'interprétation est différente. Et bon bah, les conclusions vous en doutez elles sont différentes. Donc voilà de d'où ça peut venir. Hein. Voilà, quand on parle de biosignature voilà jusqu'où il faut aller et comprendre que c'est à ce moment-là que. Alors lui alors Golden qui est aussi un esprit pervers il propose que euh, si vous prenez un caillou des carbonates de fer et que vous les chauffez ça vous va vous rappeler quelque chose euh, vous formez des magnétites. Et ce qu'il dit, c'est que ces magnétites, alors là, c'est la nouvelle discussion, il y a eu un nouvel article publié dans GCA récemment par les, les partisans de la théorie biologique, mais eux, ce que disaient ces gens-là contre la enfin, anti-biologie, c'est que quand on chauffe une, une sidérite, un carbonate de fer, on peut obtenir des magnétites qui sont monodomaines, hein, donc dans le même genre de taille que les magnétites biogéniques, du FE3O4 pur. Pas de défaut cristallin, une élégation selon 1, 1, 1. Et ils, disent, ils rajoutent un critère. Ils disent si la magnétite s'est formée à partir d'un minéral hein, dans lequel il, elle apparaît, il va y avoir une orientation cristallographique entre la magnétite et le minéral dont elle provient. Alors que si vous imaginez hein, l'autre théorie hein, biologique, c'est qu'on forme des magnétites dans des cellules, les cellules meurent, on garde les magnétites, et puis là, on précipite des carbonates autour. Et là, vous avez du mal à imaginer que euh, vos magnétites ont, un, ont une, une relation cristallographique particulière avec le carbonate qui précipite autour. Alors, en fait, là, à nouveau, dans le dernier article en faveur de la, la théorie euh, biologique, les auteurs disent euh, si, si, c'est possible. Et vous voyez, enfin, c'est à nouveau, c'est ce genre de, de choses. C ces points-là, alors lui, il vous dit c'est fondamental. Hein, là, si on voit un alignement cristallographique, forcément, voici, voilà comment ça s'est formé. Et l'autre, il vous dit, non, non, ce n'est pas vrai. Euh, si on voit un alignement cristallographique, ça peut s'être formé biologiquement aussi. Qui a raison bah, Je ne sais pas. Et, bon, je sais pas. En tout cas, ils ne sont pas d'accord. Il me reste du temps. Alors, d'accord. Bah, je continue à zapper, alors enfin, Vous dites quand vous... Enfin, stop, ou... d'accord. Euh, alors, les micro-organismes peuvent former des roches. Euh, donc ça, c'est plus facile à étudier, parce que bon, vous n'avez pas besoin d'un microscope électronique en transmission. Hein. Vous avez vu, du coup, les magnétites... Euh... Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la, micro... enfin, de la vraie microscopie électronique en transmission. Ici OK. Euh, Est-ce que vous voyez des... des points là Des points là dans, dans ce cœur là Eh bien ça, c'est des colonnes d'atomes. Ça n'a aucun rapport avec le sujet, hein, mais c'était juste pour euh, vous dire, enfin, on trouve ça joli généralement, on voit les atomes, et, enfin les colonnes d'atomes. Voilà. Donc on peut faire ça, et vous voyez qu'il faut regarder à cette échelle-là pour en, en déduire ces choses-là. C'est ça le, le point sur lequel je voulais insister. Il faut regarder à cette échelle-là pour... Et vous voyez la difficulté. La difficulté, j'en parle pas, elle est aussi méthodologique. Quand en 1996, ils publient leur article, alors bon, c'est Science, donc il ne faut pas mettre trop de figures parce que ça prend trop de place. Donc c'est peut-être une explication, mais aussi en 1996, on n'avait pas forcément toutes les méthodologies. Vous devez aller chercher une magnétite là qui fait 50 nanomètres dans un caillou comme ça. Hein Donc là vous avez un gros caillou comme ça. Bon vous faites une lame mince. Là vous arrivez à un globule comme ça qui fait 100 micromètres. Euh, vous voyez 200 micromètres. Là-dedans il y, y a des magnétites qui font 50 nanomètres. Euh, bon là vous les voyez pas. Hein. Et, et, et alors pour faire de la microscopie électronique en transmission, il faut un échantillon qui soit plus fin que 100 nanomètres d'épaisseur. Alors, impossible de le faire à la main, hein, ou au couteau. Euh, L'ultra-microtomie, pour les biologistes, là, enfin, vous le cassez, vous couteau tout de suite. Donc, euh, en fait, la méthodologie, la technologie n'était pas triviale. Et bon, on a eu des techniques qui sont développées depuis quelques années qui permettent d'aller dans un MEB creusé, dans l'échantillon, et puis de prélever une coupe de 100 nanomètres à l'endroit qu'on veut dans le MEB. Et c'est ça, finalement, qui a fait que, en 2009, il y a ce nouvel article publié par les gens de la NASA où enfin ils mettent plein de données et ils décrivent un peu mieux leurs objets. Parce ça a mis 13 ans pour, mais ils étaient, pour avoir toutes ces données, mais parce que finalement on était limité technologiquement en 1996. Donc ça c'est une note d'espoir, la technologie avance et du coup patience. Oui. Ah oui, c'est vrai que je pas tout raconté, les météorite. Alors, bon, cette météorite, elle est martienne. Et euh, là, vous voyez les globules, hein, et ces, ces globules-là de carbonate de fer, ils sont vraiment dans le caillou. Euh, et ces choses-là, il y a eu des datations en parallèle, enfin des essais de datation, etc., des, des analyses, des compositions isotopiques, etc. Ça semble vraiment tr très. Enfin, c'est plus que convaincant, enfin, c'est vraiment certain que ces minéraux-là sont formés sur Mars. Donc, les magnétites sont là-dedans. Donc, vraisemblablement, effectivement, c'est des magnétites martiennes. Donc, le premier scénario, c'est si c'est des magnétites biogéniques, bah, c'est de la vie martienne. Le deuxième scénario, c'est si ça a chauffé. À cause du métamorphisme. Pourquoi ça aurait chauffé Oui, parce que l'autre, enfin, pardon, euh, euh, Golden, il nous dit on fait du chauffage à 470 degrés de, des cailloux, là. Euh, bon, il là, je vous ai dit, on peut le voir par ailleurs. Une météorite, là, pour l'expulser, elle vient de Mars. Pour l'expulser de Mars, ben, il a fallu, euh, enfin, vous voyez, il faut enlever des cailloux de Mars. Euh, et ben, en fait, il y a un autre impact de météorite qui s'est produit, et ça, ça a éjecté de la matière. Et dans cette matière, il y avait cette météorite. Et pendant cet impact de météorite, euh, ben, ce caillou-là, il a vu de la pression et de la température. Et en fait, on peut regarder les minéraux là-dedans, hein, et ils nous disent que vraiment, ce caillou, il a vu de la température et de la pression. Donc, il a chauffé. Il n'y a pas de problème, il a chauffé à 500 degrés. Hein. Oui Alors, <laughs> oui, ok. Non, mais c'est vrai. <laughs> ben, J'essaye ouais, voilà. toujours, je me dis, personne ne va la poser. Euh, alors. Il euh, y a plusieurs choses, mais, mais. On est sûr à 100%. 100%. <laughs> non, oui. Enfin, pour le coup, c'est pire. C'est comme si on cherchait MR1 sur Mars, quoi. Enfin, quel est le nom de la souche Oui, oui. Oui, mais bon, on a peut-être eu de la chance. Non, mais enfin, ça, le problème, hein, c'est que euh, je vous ai bien, j'ai bien précisé. C'est chez une euh, une souche. Bon, alors peut-être qu'il déjà, il y en a d'autres qui le font. Mais je suis d'accord que c'est très, très, très particulier. Mais d'un autre côté, euh, bon, c'est peut-être le truc qui se fossilise le mieux. Alors, ces, ces magnétites, simplement pour ces magnétites, on les on, on retrouve des, des magnétites dans l'enregistrement géologique sur Terre, et certaines sur les mêmes critères, avec le même processus, et, et, enfin avec la même idée, sont interprétées comme des bactéries biogé, euh, comme des magnétites biogéniques oui, sur Terre. Bah, je suis d'accord, mais quand même, enfin, c'est aussi pas mal. C'est ça veut dire que tout à l'heure on avait la question euh, pourquoi on regarde les cyanos, il y a plein d'autres choses. Ça voudrait dire qu'on est capable d'aller chercher un groupe. Enfin, c'est pas, je pense pas que c'est pas monophylétique, mais on est capable de, ouais, voilà, de, de chercher des, 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 des micro-organismes qui font... Enfin, ils sont un peu partout, mais c'est pas non plus... Euh... Bon, je ne sais pas. J'avais je... deux questions. La première, c'est quoi l'âge de Alors ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça, que c'est 4 milliards... Euh... Non, alors oui, pardon. Il y a l'âge de la météorite et l'âge de l'altération. Et je pense que l'altération, ça doit être à 3 milliards 8 ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Hein Oui. Et là, là, le caillou, il doit avoir 4 milliards, 4 milliards quelque chose, je crois. Et comment est Vous savez, 96, là, ce, cet article, en fait, bon, on en rigole, mais ce n'est pas drôle. Euh, enfin, je veux dire, tous les impacts de cet article, c'est énorme, en fait. 96, c'est quand vous étiez super jeune encore. Euh, je suis bien vieux. Euh, 96. Bon, premièrement, c'est quand même l'exploration martienne, je pense, qui a été boostée euh, fortement. Il y a Bill Clinton qui fait un discours après en expliquant que euh, bon, la vie euh, ailleurs nous attend et qu'on va aller. Euh, voilà, c'est le devoir de l'humanité, quoi, de, de le faire hein, quand même. Enfin, le... Alors, Alors, je sais pas ce que ça donnerait avec euh, d'autres présidents, mais juste pour finir. Est, euh, donc, y a, y a ce truc-là et derrière, en fait, il y a eu. Ça, vraiment... Parce que du coup, il y a tout de suite eu de la contestation. Tout le monde a dit ah, Mais non, ce n'est pas possible. Et en fait, les arguments, d'ailleurs, si vous lisez bien ces articles, c'est vraiment passionnant, je trouve, au niveau même de l'histoire de, de la science. Les, les contestations qui ont eu lieu tout de suite après alors il y en a certaines qui sont qui sont qui sont fondées mais en fait les gens qui contestaient euh, je pense qu'ils savaient pas beaucoup plus <laughs> que les gars qui avaient avancé leur chose. alors c'est vrai que normalement c'est à celui euh, qui qui raconte quelque chose de, qui, qui doit le prouver normalement ça, ça marche quand même dans ce sens là et c'est pas aux autres de prouver que le contraire mais, euh, mais quand même en fait on était bon, il y avait des choses c'était qu'on ne connaissait pas très bien. Donc, ça a aussi relancé euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, ouais, il y a eu. Fin... Oui Je crois que sur, le, sur la, la météorite d'abord, il faut savoir euh, ALH84001, ça veut dire Alan Hill, trouvée en 1984, c'était une, une, une mission de recherche de météorites euh, en Antarctique. Donc, elle a été trouvée sur un glacier à 3000 mètres d'altitude, parce qu'il y a 3000 mètres de glace au-dessus. Au Hein, et c'est des choses qui apparaissent en été parce que c'est une foyer, et donc les, les américains ils prennent des, des snows euh, là, ils se mettent en ligne, et chaque fois qu'ils voient un caillou noir, c'est une météorite. Là il n'y a pas de doute c'est une météorite. Elle a été datée, je me rappelle 40, 25 ou 35 000 ans, elle est tombée il y euh, a... Oui, c'est ça, plus de 10 000 ans en fait. ouais parce qu'elle n'était pas complètement là. Ouais, une dizaine de milliers euh, d'années. L'ordre de grandeur, c'est ça, donc elle est tombée. En fait, je suis pas sûr qu'elle soit restée sur de la glace. Je pensais qu'elle est, est tombée sur la glace. Elle s'est fait tout le glacier là. Elle est descendue, elle est remontée. Parce que Alan Hills, en fait, c'est justement un endroit où la glace remonte. Et du coup, on concentre tous les cailloux qui sont passés. Mais donc cette météorite, hein, elle est tombée à bon, plusieurs dizaines de milliers d'années. Ou elle est tombée sur la glace. Elle est allée tout au fond. Euh, elle a vu le fond de la calotte et elle est remontée quoi. En plus. C'est des bactéries magnétiques. Elle a été trouvée là. Mm. Je pense que personne ne conteste qu'elle soit martienne maintenant. Et c'est quand même, honnêtement, je pense que c'est le caillou le plus étudié. Oui. Bon, on discute encore. Ou, après, je... ouais, ou celui le plus précieux, et je ne sais pas trop si on peut tous l'étudier. Mais, <laughs> bon. Alors, je mais je... Crois, oui, oui. Ouais. Non, non, c'est quand même le caillou le plus étudié. Ah, c'est clair ouais. qu'il focalise l'attention. Euh, ouais. C'est vraiment le, le dernier argument. Il y, 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 y a beaucoup d'arguments. C'est celui des magnétiques qui est actuellement le... Est de, 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 de moins enfin, oui. compris plus sujet à des discussions scientifiques dès l'instant où on laisse euh, bon, on vraiment dire... oui parce qu'il y avait les vers de terre là enfin les les filaments alors ça ça c'est alors ça ça avait été interprété comme des bactéries parce que c'est c'est des filaments d'accord c'est enfin c'est des filaments et euh, vous aviez ces articles à cette époque, hein, on était vraiment dans cette époque. Euh, par exemple, on a vu une photo de euh, quelqu'un, Folk, qui est un grand, sédiment, un grand sédimentologue, hein, qui a fait la classification des roches sédimentaires, etc. Vous, vous avez dû voir ça, les paxton, etc. Euh, cette personne-là, il, cet et il publie un article et il dit, c'est extraordinaire parce que pourtant c'est les années 90, mais alors, il, bon, il vous explique, bon, je prends un carbonate, je mets un peu d'acide faible dessus, et là, sous le microscope, c'est comme le jour du jugement dernier, vous mettez ça dans l'article, il y a plein des tas de cadavres qui apparaissent. Et euh, il y a euh, des trucs euh, qui ont des formes de filaments et des formes de boules. Et je ne connais pas de minéral qui a la forme d'un filament et d'une boule. Donc ça, c'est biogénique, c'est biologique. Le problème là-dessus, c'est que ça, c'est très petit. Et c'est plus petit que n'importe quelle bactérie ou arqué que, que l'on connaît autonome et, et du coup ce qu'il dit en plus c'est que ça, on va l'appeler nanobactérie c'est un truc qu'on ne connaissait pas mais en fait il y a des bactéries qui sont plus petites que euh, voilà et on les appelle nanobactéries et ça aussi ça a été un deuxième truc enfin ça, ça a été un deuxième débat et c'était vraiment euh, c'était en 96 c'est pas à la préhistoire c'est la météorite est datée de trois milliards un milliard d'années. En tout cas, les, ce qui est censé être euh, les micro-organismes les mmh. plantes, etc. Mmh. Le temps à l'évolution, le temps que, que mettrait l'évolution à monter un système pareil, qui est assez complexe, je dois dire. C'est-à-dire euh, formation magnétique mmh. pour pouvoir adapter. À ça. Je ne sais pas pourquoi le, la, la bactérie martienne aurait adapté mmh. ses adaptations, mmh. mais ce serait un analogue de celui sur Terre. Mmh. Le temps, temps qu'il faudrait pour monter un tel système, c'est énorme. D'accord. Donc je ne ouais, suis pas évolutionniste, mais je vais vous répondre comme euh, les partisans du coup, de la théorie euh, l'ont fait. Euh, le magnétoctactisme est quelque chose de très, euh, très ancien. Oui, très ancien. Ouais. Oui, <laughs> ben, je suis d'accord, mais vous voyez. Non, mais le problème. On ne sait pas. Elle a peut-être commencé à 4,4 milliards d'années, et, vous... enfin, et que 600 millions d'années, c'est suffisant pour. Le problème, c'est que là-dedans, euh, qui. Enfin... Moi, moi, non, mais. Donc, ouais, vous pouvez croire, mais si c'est quoi le contre-argument C'est quoi l'argument Le contre-argument oui, vous nous avez montré qu'il y avait éventuellement un intérêt écologique à cette magnétique. parce qu'il y a un champ magnétique sur Mars hum. il y en a eu, ah, Enfin, sur Terre, j'ai dit. Ah, pardon, est-ce qu'il y a un champ magnétique sur Mars il, eh ben, il y en a eu un. Il y, a... Ouais. il y en a eu un. Il enfin, y a eu un. Il y a eu un champ magnétique Voilà, ouais. parce que bon. Euh... Non, mais il y en a eu un, et puis bon. Euh... Ouais. Et puis aujourd'hui on l'explique comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'était. Enfin, ça a toujours été l'avantage. C'est pas pour ça forcément que c'est apparu, ce magnétotactisme. Bon, enfin... en tout cas, ça a bien marché, voilà, et on en discute pas mal. <laughs> donc euh, ça marche. Voilà. Euh, donc il y a des roches, et ça c'est plus facile parce que du coup vous n'avez pas besoin de microscope électronique en transmission. Et donc ces fameux stromatolites. Alors un stromatolite, si on peut le définir, alors il y a. Il y a des définitions dans les, dans les, dans les, dans les livres, mais voici une, une définition. Un stromatolite, c'est une roche sédimentaire, Alors, généralement carbonatée, parfois silicifiée, parfois c'est des oxydes de fer, parfois, etc., qui est laminée à l'échelle macroscopique. Pas microscopique, mais bon, macroscopique. Hein Donc c'est une roche sédimentaire, et vous voyez des laminations, et ça peut avoir différents types de morphologie. Donc, voici un stromatolite qui se forme actuellement au Bahamas. Et quand on va voir ces, micro, ces stromatolites actuels, ils sont associés à des euh, populations microbiennes. Il y a plein de, de, de micro-organismes qui poussent là-dessus. Voici une roche laminée à 3,45. Et, euh, et voilà, donc l'idée c'est que, que, que ça ressemble aux stromatolites actuels, hein, morphologiquement à l'échelle macroscopique. Donc, ça pourrait, pourrait s'être formé de la même chose. Actualisme. Alors, il y a plusieurs diagnostics quand même là-dedans. Il y a la, les laminations, il y a la morphologie macroscopique, ça, Emmanuel nous en a parlé, euh, où on a différents types de morphologie. Et enfin, la présence de microfossiles. Un exemple, c'est effectivement ces microfossiles euh, de Chop qui ont été, comme le disait Emmanuel, réinterprétés qui ont été interprétés complètement différemment aussi par d'autres personnes. Alors, bon, donc, là, vous voyez, on a un, un stromatoli, des stromatolites actuels et ils sont associés à du vivant. On a des stromatolites anciens. Dans, dans ma définition de stromatolite, hein, vous vous rappelez, je n'ai pas mis euh, c'est formé par le vivant. Hein, J'ai dit que c'est une description morphologique. On a des stromatolites anciens. Est-ce qu'ils sont biogéniques Et, et, et s'ils si sont biogéniques, bon, ça nous dira quelle la vie, mais quel métabolisme les ont formés alors avant de savoir ça, il faudrait savoir comment les stromatolites actuels se forment et quel métabolisme forment les micro et les stromatolites actuels. Ce serait déjà la première question. Alors classiquement, et c'est ce qu'on apprend à l'école, euh, voilà la réaction de précipitation des carbonates de calcium. Hein. Je vais prendre un stromatolite carbonaté. Ca2 plus 2HCO3- donne CaCO3 plus CO2 plus H2O. Classiquement, ce qu'on a dit, c'est que les cyanobactéries, c'est ce qui forme les stromatolites, parce que les cyanobactéries, elles font de la photosynthèse. Et en faisant de la photosynthèse, elles fixent le CO2. Et donc, elles déplacent l'équilibre vers la droite, donc vers la précipitation de carbonate de calcium. Et euh, ce qui est en plus intéressant, c'est que ces cyanobactéries, elles font de la photosynthèse la journée. Donc, la journée, elles font précipiter les carbonates de calcium. Vous faites une lamine. Le, la nuit, elles font de la respiration. Elles ne font plus précipiter les carbonates de calcium. Par contre, éventuellement, leurs EPS elles vont aller coller plein de particules détritiques qui, se, qui sont dans l'environnement et donc, elles vont former une couche, une lamine de particules détritiques. C'est un modèle. Hein, c mais voilà un modèle. Donc, en gros, euh, euh, les implications, hein, si on croit à ça, si on se dit c'est ça, c'est tout toujours ça et, et c'est comme ça que ça marche, les stromatolites, c'est égal à cyanobactéries, alors c'est égal à la vie, oui, c'est égal à cyanobactéries et les c'est si c'est cyanobactéries, enfin aujourd'hui c'est égal à production d'oxygène, euh, parce que si on les appelle cyanobactéries, hein, d'accord Et enfin, euh, l'amination est égale à ici jour-nuit, par exemple, dans ce modèle-là. Vous voyez les implications quand même, elles sont importantes, et vous voyez l'importance de comprendre le mécanisme de formation aujourd'hui, déjà, et d'être sûr que ça se passe comme ça. Alors en fait, il y a plein d'autres métabolismes microbiens qui peuvent favoriser la précipitation de carbonate. Il y a euh, premièrement une photosynthèse anoxygénique, parce que la photosynthèse anoxygénique, pareil, elle prélève, elle prélève le CO2, donc elle va déplacer l'équilibre des carbonates vers la précipitation de CaCO3. La différence, c'est que là, on ne produit pas d'oxygène. Donc, stromatolite, enfin, si la photosynthèse anoxygénique peut faire euh, des stromatolites, stromatolite n'est plus égal à production d'oxygène, n'est plus égal à cyanobactéries. D'accord Première chose. La sulfatoréduction peut. Favoriser la précipitation de carbonate de calcium. La sulfato-réduction, c'est la dégradation de carbone organique la est associée à la réduction de sulfate. Et ça, ça vous produit, ça basifie le milieu, hein, ça alcalinise le milieu, vous augmentez le pH et donc ça provoque la précipitation de carbonate de calcium. Voici un autre métabolisme. Là, à nouveau, un, vous n'avez pas besoin d'oxygène pour faire ça, vous produisez pas d'oxygène et euh, vous faites des carbonates de calcium. Donc, à nouveau, un processus sur lequel vous n'associez plus du tout la même chose. Et il y a aussi. L'uréolyse, la ferréréduction, réduction, la réduction des nitrates, la dégradation des acides aminés, la méthanogénèse, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a plein de métabolistes qui peuvent faire ça. Et c'est vrai qu'avant, le, enfin, le truc, c'est qu'on regardait les stromatolites avec un microscope, une bino ou un microscope optique, et ce qu'on voit, c'est les grosses cellules. Et les grosses cellules, c'est les cyanobactéries. Donc on dit, c'est les cyanobactéries qui font ça. Maintenant, aujourd'hui, on, on a des outils un peu plus performants. Et quand on prend un stromatolite des Bahamas, quand on prend un stromatolite de Shark Bay, on commence à analyser la diversité moléculaire qui est présente dans les biofilms. On voit qu'il y a plein, plein, plein de micro-organismes avec plein de métabolismes potentiels. Donc euh, voilà, les cyanobactéries, est-ce qu'elles sont vraiment indispensables ou pas? On peut complètement le remettre en, en question. Alors Après, il y a des polymères aussi microbiens qui peuvent favoriser la précipitation des carbonates. Euh, les micro-organismes, les cyanobactéries notamment, mais pas, pas seulement, produisent des, euh, des polymères extracellulaires, euh, qui sont en masse, je dirais, principalement des polysaccharides. Sur ces polycyclarides, vous avez des fonctions euh, carboxylées, et ces fonctions carboxylées, dans, avec au bon pH, vont être chargées moins et vont avoir tendance à euh, euh, absorber euh, les ions calcium. Si euh, ces, ces choses-là sont, sont bien réparties, si ces groupements carboxyliques sont bien répartis, éventuellement, ça va aussi favoriser la nucléation des carbonates de calcium, s'ils sont bien répartis les uns par rapport aux autres. S'ils sont mal répartis, en revanche, ça va inhiber, parce que ça enlève du calcium dans le milieu. Donc ça diminue la saturation par rapport au carbonate de calcium. Et donc là, vous inhibez la précipitation des carbonates de calcium. Alors ce qui a été proposé par certains, c'est que du coup maintenant, si vous avez des bactéries qui mangent le carbone organique, qui sont hétérotrophes par rapport au carbone, c'est intéressant, parce qu'elles dégradent les polysaccharides qui ont fixé le calcium. Elles enlèvent donc l'inhibiteur de la précipitation des carbonates de calcium, et en plus ça libère du calcium. Donc, ça favorise la précipitation de carbonate de calcium. Donc, si vous dites, c'est bon, il faut des polymères extracellulaires, mais peut-être qu'en fait, ce sont les hétérotrophes par rapport au carbone, qui, enfin, qui font par exemple la respiration ou qui font euh, différents types de respiration, qui, vont être, qui peuvent induire la précipitation de carbonate de calcium. On en est là. On est en train de se demander euh, qui fait quoi là-dedans, et si j'enlève lui, euh, est-ce que je continue à avoir un stromatolite ou pas Et vous voyez, la, la difficulté, c'est que là-dedans, il y a une diversité de micro-organismes qui est extrême. Est-ce qu'on a besoin de toute cette diversité pour faire des stromatolites Question, j'en sais rien. Alors, bien sûr, les gens de la diversité vont dire mais Oui, oui, c'est important la diversité. Après, peut-être que là-dedans, il n'y a qu'une espèce qui fait tout, hein, et ça serait bien. Mais euh, bon. Voilà, alors, ça, je vais, je vais passer, même si c'est ce qu'on fait, du coup, c'est plus intéressant, mais. Je me présente. Euh, oui, alors. Donc, les laminations, bon, je, je passe là-dessus. Sur la formation des laminations, pareil, on pourrait discuter. Est-ce que c'est jour-nuit Est-ce que c'est est -ce est des alternances Est-ce que c'est une évolution des, des films bacté des microbiens Est-ce que c'est ch changement du film microbien Ou est-ce que c'est des changement des conditions environnementales Ou c'est les deux Qu'est-ce qui conduit ça Est-ce que c'est journalier Est-ce que c'est saisonnier Est-ce il n'y a pas de périodicité Et On trouve toutes les réponses dans la littérature sur les stromatolites actuels. La morphologie macroscopique. Alors, ça, c'est intéressant parce que, et du coup, je ne vais pas vraiment beaucoup le développer, pas bien en tout cas, mais la, la morphologie macroscopique, ce qui est important, c'est que les stromatolites les plus anciens, à 3,5 milliards effectivement, Emmanuel en a parlé, il y a une publication en 2006 dans Nature de, de Aloud des collaborateurs qui dit euh, qu'ils ont, ils ont observé différentes morphologies macroscopiques de stromatolites. Et ça, ça veut dire forcément. Que c'est biogénique. Alors, et, et attention, il ne faut pas qu'ils soient dans la salle quand vous commencez à ne serait-ce dire, restez... mais, <laughs> bon, ils y tiennent fortement. Alors, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Moi, ce qui me pose problème, c'est que comment je relie est-ce que je suis capable de relier l'activité d'un micro-organisme à la morphologie macroscopique de ce machin-là vous, vous avez vu les discussions qu'on a. Que, que j'ai eu, c'est est-ce que c'est la photosynthèse oxygénique, anoxygénique, etc. Comment maintenant je relie des micro-organismes à, à la fin euh, savoir si euh, voilà, les différentes morphologies existent. Vous voyez ici, euh, si c'est ramifié, si c'est euh, si pas ramifié, si c'est rond, euh, si c'est euh, triangulaire, etc. Qu'est-ce que je change dans les paramètres biologiques pour passer de l'un à l'autre euh, ben, on ne sait pas. Du coup, comment je peux dire que la morphologie for... nous indique forcément que c'est biologique, alors que je ne suis pas capable de passer du bio à la morphologie Pour moi, c'est un mystère. Alors, c'est peut-être que vraiment, y a un truc que je n'ai pas du tout compris, mais ça, je ne comprends pas. Hein? Comment on peut dire que la morphologie, c'est une preuve de biogénicité, alors qu'on n'est même pas capable de, de, de mettre l'équation, enfin, alors j'exagère peut-être, mais de mettre l'équation entre j'ai de la vie. Ça me donne cette morphologie. Je change la vie, ça me donne une autre morphologie. On n'est pas capable de décrire ça. Oui. Ça fait un Donc, ce que je veux dire, hein, c'est que je, enfin, je, je ne dis pas que cette, cette diversité morphologique, euh, c'est sûr, ce n'est pas le vivant. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement que je ne comprends pas comment on peut affirmer, et il est hors de question de contester cette chose-là, que parce que j'ai cette diversité morphologique, alors forcément c'est le vivant, alors qu'on n'est pas capable de m'expliquer comment on construit un triangle, un rond. Euh. Bon. Et il y a ça. Il existe des modèles abiotiques de formation des stromatolites et bon à nouveau ils ont parfois bonne presse etc. Alors là l'expérience on on dirait c'est pas très c'est pas très naturel dans ce cas là mais bon il y a d'autres conditions où ça a été fait euh, là en fait ils pulvérisent de la peinture avec un spray <laughs> au-dessus d'une surface et euh, bon voilà donc ils vous il vous montrent un peu le, les, les les lignes de, de flux et euh, donc selon si la surface ils le mettent sur une surface verticale horizontale etc. Voilà ce qu'ils forment à droite voilà les objets qui forment. Et euh, voilà les trucs là où on nous dit forcément ça c'est biologique. Bon, voilà. C'était juste pour <laughs> dire euh, finalement ce qui ferait, serait vraiment important c'est d'être capable de se dire, OK, comment le micro-organisme fait cette morphologie, enfin une population microbienne me fait cette morphologie, comment je peux, en variant certains paramètres, faire varier la morphologie, à quel point ça dépend des conditions environnementales versus des micro-organismes, et ça, je pense vraiment, enfin moi, je ne sais rien. Quoi. Voilà, alors c'était le plus important, mais du coup, euh, on va aller vite. La formation des microfossiles, hein, c'est la dernière trace. Enfin, c'est une autre trace finalement du, du vivant qu'on peut trouver, c'est quand on fossilise la cellule directement. Alors, si vous prenez une, 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 une culture de, de micro-organismes dans votre, euh, euh, je sais pas quoi, LB ou TSB, enfin vos milieux très riches, etc., ou les trucs encore plus dégueulasses de médecins, là, euh, si vous attendez MR au bout d'un certain temps, et euh, si vous attendez euh, quelques jours, alors ça, généralement, les microbiologistes, ils n'aiment pas. Ils disent, ah, non, ça va être de la contamination, c'est pas bien, il ne faut pas les laisser. Mais en gros, si vous les regardez, euh, bon, ça ressemble, enfin, voilà, ça, ça se lise. Donc, vous perdez complètement la structuration cellulaire et euh, je dirais qu'on dégrade complètement. Il y a des lises enzymatiques qui font qu'on dégrade les molécules euh, complexes. Vous perdez les ARN, vous perdez euh, les acides nucléiques, vous euh, dénaturez les protéines, éventuellement, elles sont dégradées, etc. Etc. Et ça, ça prend quelques jours. quoi. Hein, quelques, quelques jours ou quelques semaines, bon, c'est l'heure de grandeur. Et si vous voulez, euh, vous laissez ça dans l'eau, en tout cas, à la fin, vous n'allez pas retrouver grand-chose, surtout s'il y a d'autres micro-organismes qui les bouffent. Pour fossiliser, pour vraiment préserver ces, les structures et les molécules, il faut précipiter des minéraux. Et là, il y a plein de micro-organismes qui peuvent produire les minéraux, qui vont précipiter sur leur propre structure et donc vont les fossiliser. Voici un exemple, là c'est des bactéries qui oxydent le fer, le fer 2, en fer 3, à pH 7. Alors, le fer 3, à pH 7, c'est hautement insoluble. Donc ces micro-organismes utilisent, alors peut-être le fer 2 pour, euh, comme source d'énergie, elles oxydent le fer 2, en fer 3, et le fer 3, il est insoluble, donc il précipite sur les bactéries, sur ces, sur ces cellules. Donc là, vous avez une vue en microscopie électronique à balayage. En fait, il y a une cellule et toutes les, tous, les poules, tous les paquets au-dessus, les ronds, c'est des boules de, de précipitation de fer qui se forment sur le micro-organisme. Alors on peut regarder en microscopie électronique en transmission cette fois-ci, on peut regarder où est-ce que ça précipite et on s'aperçoit ici, le noir là, c'est le, les précipités de fer et ils se forment en fait entre les deux membranes. Là, c'est une souche qui est à gramme moins, donc elle a deux membranes et euh, ça se forme entre les deux membranes. C'est ce qu'on appelle un, cet espace, c'est ce qu'on appelle le périplasme. Donc vous voyez, ça fossilise. Dans la paroi du micro-organisme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, vous avez mis du minéral dans la paroi et vous mimez la forme des cellules. Donc vous fossilisez ces cellules. Est-ce qu'il reste du carbone organique Alors, quand on regarde comme ça, à nouveau, alors là, on a fait une coloration, donc on voit qu'il y a des membranes, mais c'est déjà ça, mais on ne voit pas grand-chose quand même. Enfin, dedans, vous voyez, vous voyez un truc noir et vous dites que c'est du minéral. Donc il faut quand même, à nouveau, les outils qui nous permettent d'aller regarder ça, et ça, ce n'est pas trivial. Eh bien, ici, oui, il reste, euh, il reste de la, des molécules organiques. Ici, vous avez une vue en microscopie électronique en transmission avec un autre mode où on peut voir les molécules organiques cette fois-ci. Et voici la paroi en noir. Là, un zoom de la paroi. Et vous voyez, que ce qui est noir, c'est le minéral. Et vous voyez des petites billes blanches, là. Et les billes blanches, elles font 8 nanomètres. On peut les analyser avec des méthodes de spectroscopie et montrer que cette bille, c'est des protéines. Donc là, quand ça a précipité, ça a pris en masse aussi les protéines qui étaient dans le périplasme. Et ça les a piégés. Alors, est-ce que ça va durer euh, à déternam Est-ce que ça va résister au métamorphisme, etc. Certainement pas sous la forme de protéines. Pas de problème, on va casser les liaisons, etc. Mais, potentiellement, si le minéral, lui, reste, il va emprisonner du carbone organique. Et il va emprisonner du carbone. Donc, à la fin, ce que j'ai, c'est une morphologie de cellules avec... Une paroi, enfin un truc qui fait 40 nanomètres d'épaisseur, qui correspond à l'épaisseur du périplasme, et là-dedans, il y a du carbone. Est-ce que c'est suffisant comme trace de vie, enfin comme biosignature Je ne sais pas, mais vous voyez que, à nouveau, si on a les outils pour aller voir ces choses-là et c'est pas trivial, bon bah, on a plus de contraintes. Donc ça, c'était pour vous dire que euh, il y avait du carbone organique, et ça, c'est pour vous dire qu'il y a plein d'autres micro-organismes qui peuvent faire ça, euh, précipiter des phosphates de calcium, précipiter des oxydes de manganèse, et tout ça. Là, c'est dans la nature. Alors, ça, c'est des oxyhydroxydes de, euh, de fer et d'arsenic qui précipitent dans les parois microbiennes et où vous avez des structures bizarres, etc. Et tout ça, ça se fait en quelques jours. Donc, vous, et ça vous permet de maintenir les choses. Donc, faire de la, la précipitation, c'est possible. Ça prend quelques jours. Vous fossilisez quelque chose. Après, est-ce que ça, ça va tenir à la pression, à la température C'est à voir. Euh, comment elles font bon, bah, Les mécanismes, on pourra en discuter si vous êtes intéressé, mais en gros, bon, voilà, elles changent les conditions du milieu et ça fait précipiter les choses. Je vous ai expliqué le fer de plus qui, qui s'oxyde en fer 3+, c'est la bactérie hein, qui catalyse ça, et paf, ça précipite sur elle et donc elle se fossilise. Euh, on peut montrer que certaines structures peuvent résister à la température, hein, on peut retrouver des fossiles, alors ça ce n'est pas de micro-organismes, mais c'est des fossiles de végétaux, dans des roches, qui ont vu 360 degrés et 14 kilobars, c'est-à-dire des roches qui ont été incluses. Alors ça, c'est des fossiles dans des roches, c'est beaucoup plus récent. C'est des roches qu'on trouve dans les Alpes, et elles sont descendues à 40 km de profondeur hein, pendant la formation des Alpes. Il y a eu la subduction, elles sont descendues selon un, un gradient froid hein, de subduction, 40 km de profondeur. Le truc qui s'est pris 360 degrés, 14 kilobars, ça remonte très vite, exhumation, et là, on retrouve les fossiles encore. Donc, vous voyez, la pression et la température, je ne sais pas si c'est vraiment un facteur très important. À mon avis, moi je, maintenant, je commence à être convaincu que la pression et la température, chimiquement, ça vous change les choses, etc. Mais ce n'est pas ce qui est très important. Ce qui, à mon avis, est important, c'est les fluides. Si là-dedans, vous faites passer à, 400, à 300 à 100 degrés, 200 degrés, etc. Vous faites passer des fluides, vous lessivez ça. Et là, là, vous risquez, dans, vous faites du cisaillement, vous déformez les choses là. Là, vous risquez d'enlever tout. Mais si vous maintenez tout ça dans une coque hermétique et vous faites juste de la température, vous gardez cette morphologie, à la fin, le carbone est différent, sa, sa, sa structuration atomique et moléculaire est différente, mais veux dire, si c'est vraiment un système fermé, vous avez gardé tout ce que vous aviez au début. Voilà, donc, euh, bon, ça, très bien, hein, Emmanuel en a parlé, donc les, les conclusions. Donc, les micro-organismes peuvent laisser des traces sous diverses formes dans l'enregistrement géologique, hein, bon, ça, on l'a vu tout, toute la matinée, les mécanismes de biominéralisation bio sont un processus majeur. Hein. Il faut précipiter des minéraux sur les structures et c'est ça qui va. Alors, on a vu d'autres processus. Hein. On peut préserver des, des molécules organiques très résistantes. Mais souvent, si on veut avoir des structures, etc., il va falloir mettre du minéral, précipiter du minéral. Et ça, la formation du minéral, généralement, elle est catalysée par les micro-organismes qui changent les conditions chimiques de l'environnement. On peut préserver vraiment des ultrastructures très fines et des molécules organiques dans ces cellules. Je ne vous ai pas tout montré, mais dans, par exemple dans le périplasme de ces cellules-là qui s'encroutent avec du fer, on, on voit un trait au milieu du périplasme qui a l'épaisseur et la position exacte du peptidoglycane. Alors pour, pour ceux qui connaissent ça, c'est une, une couche très très fine euh, d'un certain polymère organique dans le périplasme et ça fait quelques nanomètres. Et dans les cellules fossiles, là, on continue à voir ce truc-là. Donc voilà, on peut préserver des trucs qui font quelques nanomètres. Et, et, et les voir. Et euh, bon, après, euh, néanmoins, hein, pour les identifier, euh, vous voyez, les authentifier, hein, savoir que c'est vivant, et alors après, savoir ce que ça faisait, euh, vous avez vu toute la difficulté. Souvent, il y a vraiment des questions, c'est méthodologique, on est vraiment à la technique, on est aux limites de la technique. Parfois, c'est vraiment notre connaissance qui est limitée, et surtout la connaissance des systèmes abiotiques. Hein. On voit toujours, le vivant peut faire ça, donc si je vois ça, c'est le vivant. Non, là, il y a, il y a une faute logique. Il faut être sûr que rien d'autre ne peut faire ça pour dire que c'est le vivant. Et voilà, j'ai fini.